Peggy 16. Qu'est-ce qu'on bat ce soir? Alors j'aimerais dédier cette vidéo à deux personnes qui débattent toujours, ou en tout cas qui commandent toujours avec moult assiduité, Jus de Raisin et Damien 666, pour leur amour, si j'ai cru comprendre, du Revenge Movie, et principalement aujourd'hui parce qu'on va parler du Rape and Revenge. Parce que j'ai envie de parler de ce genre-là depuis longtemps. Et voilà, je leur dédie cette chronique sur un film que j'apprécie particulièrement. Alors on pourrait faire beaucoup, on pourrait parler du Rape and Revenge qui voulait prendre racine très très tôt. On trouve ça chez Bergman dans une certaine mesure dans La Source en 1960, dans La Dernière Maison sur la Gauche originelle de Wes Craven en 72, puis un autre film peut-être moins connu mais qui est un des films préférés au passage de Tarantino, qui est si vous voulez la base du premier volume de Kill Bill, pas forcément toujours graphique même si le personnage d'El Driver qui est joué par Daryl Hannah a cet œil justement et borgne avec son cache pour l'œil justement. C'est Crime à froid, alors du réalisateur dont je ne me rappelle jamais le nom, qui a aussi un réalisateur suédois pour me parler de Bergman qui s'appelle Bo Arne Vibenius, mais je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, je vous conseille aussi Crime à froid, qui est pour moi peut-être le plus matriciel des Rape and Revenge. Et il y en a un autre qui s'appelle Day of the Woman aussi, que je vous conseille, de Merzaki. Je sais pas pareil si ça se prononce exactement comme ça, qui est un film qui avait été de 78, et qui a eu droit d'ailleurs aussi à un remake en 2010, qui s'appelait I Spit on Your Grave, qui était réalisé par Steven Monroe, et que je vous conseille aussi parce que c'est plutôt un bon remake, et à plus forte raison, si vous voulez voir les deux films, l'édition Blu-ray qui était sortie chez TF1 Vidéo, il me semble, il y avait donc les deux versions, la version de 78 et la version de 2010, donc c'était plutôt cool. Ce qui nous intéresse ici, c'est La Dernière Maison sous la Gauche de Denis Yiannis, remake du film de Wes Craven. Alors Wes Craven, je vais très rapidement dire la relation, vous expliquer un petit peu la relation que j'ai avec le cinéma de Wes Craven, c'est pas un réalisateur, je suis particulièrement fan. J'aime bien sa carrière grossièrement entre 84 et 92, qui est pour moi sa carrière ironique. Et là, il est intéressant quand il fait de l'ironie. Donc grossièrement, avec 4 films qui sont donc, que je dis reprennent bien dans l'ordre, Les Griffes de la Nuit, L'Emprise des Ténèbres, The Shocker, qui est peut-être le moins connu des 4, et puis Le Sous-sol de la Peur, en 92. Avant ça, c'est grossièrement sa période 70s, pour moi, elle est complètement inexpérimentée, et ça de deux films qui sont La Colline à des Yeux, et puis donc La Dernière Maison sur la Gauche, entre autres, hein, y en a d'autres, mais je dirais les deux principaux, qui sont des films qui ont extrêmement mal vieilli, malheureusement, et qui témoignent un petit peu de l'inexpérience de Craven à l'époque. Rematez-vous quand même La Colline à des Yeux, et refaites-vous une idée maintenant, pour ceux qui l'avaient peut-être vu à l'époque, ou... C'est un film qui a pris un sacré coup dans la gueule, et ça reste un ersatz de Massacre à tronçonneuse. Là où le Massacre à tronçonneuse de Hooper ne vieillit pas, La Colline à des Yeux, ça fait mal au cul de le revoir. Et puis La Dernière Maison sur la Gauche, qui vieillit un petit peu mieux, mais pas très très bien non plus. Qui a au moins pour lui son côté subversif, ce côté rape and revenge, ce côté donc polémique, et qui fait que ça fonctionne quand même, mais il a quand même vachement mal vieilli. Et puis je parlais pas de la carrière, on va dire, années 90 de Craven, avec Scream et la saga Scream, et tout ce qu'il y a derrière, les cœurs, ces trucs comme ça, qui sont des films assez détestables parce complètement cyniques, et si vous voulez, où Craven prend cette hauteur et se fout de la gueule du cinéma d'horreur, en aidant l'impression, en donnant l'impression qu'il fait mieux que ce dont il est en train de se foutre de la gueule. Donc, et moi ça marche pas du tout parce qu'il fait vachement bien remater Scream 2, Scream 3 et même Scream 4, c'est assez catastrophique graphiquement, formellement. Là où le 1 pour le coup a un certain intérêt, mais je trouve voilà, que les suites vont pas bien, et puis remettez-vous ensuite les Curse par exemple, qui sont des films absolument immondes et dégueulasses, absolument pas à regarder, hein, c'est une catastrophe. Craven, il a quand même bien compris le système, et au début des années 2000, il va faire remaker quelques-uns de ses films 70s, donc les deux principaux étant La Colline des Yeux, qui va se faire remaker par Alexandre Aja, et qui est pour le coup un très bon film. Je suis pas contre le remake, moi justement, au contraire, quand c'est une question de point de vue. Je rappelle pour moi que le cinéma est un art du point de vue, donc c'est un point de vue sur des codes, quand on parle du cinéma de genre, mais aussi un point de vue, pourquoi pas, sur des archétypes narratifs, voire sur des narrations totales. Et c'est pour ça que le remake, moi, ne pose pas de soucis. S'il apporte un nouveau point de vue, un nouvel éclairage sur une narration particulière.
Et dans le cas de Daja, qui retravaille La Colline des Yeux, qui dans une certaine mesure aussi est un Rape and Revenge, bah il retravaille tout ça, et c'est un film extrêmement différent, que je trouve d'ailleurs éminemment mieux que le film d'origine. C'est rare, mais en tout cas pour moi, il est beaucoup mieux, il ira mieux. Aja est beaucoup plus rigoureux dans son travail, et pour moi, voilà, il enterre carrément le film de Craven. Pour ce qui est de Dernière Maison sur la Gauche, qui va sortir donc en 2008, remake aussi, donc réalisé par Denis Yadis, donc un jeune réalisateur grec qui avait réalisé un film qui porte très bien son nom avant, qui s'appelait Hardcore. Alors regardez, parce que c'est assez intéressant. Craven fait remaker son film par ce jeune réal. Alors c'est passé entre les mains de plein de réals, de jeunes réals de genre européen, et c'est Denis Yadis qui récupère le truc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive à en faire vraiment un film extrêmement fort, qui, contrairement au Death Wish dont nous parlons la dernière fois d'Eli Roth, arrive vraiment à questionner le spectateur, est véritablement ambigu et arrive véritablement à nous mettre dans une posture extrêmement malaisante. À la fois, d'un point de vue, si vous voulez, le film offre quelque chose d'extrêmement cathartique, mais justement cette catharsis que nous ressentons face aux événements qui se passent dans la narration nous amène à nous poser de véritables questions morales. Donc rapidement, qu'est-ce que ça raconte? Pour reprendre l'idée simple de... Alors, c'est la même idée que Craven dans une certaine mesure. En tout cas, chez Yadis, on a l'histoire donc, d'une famille qui va aller en vacances dans une maison de famille, justement, un petit peu isolée dans les bois, cette fameuse dernière maison sur la gauche. La jeune fille et une de ses copines se retrouvent et vont aller faire un tour en ville et vont se faire, si vous voulez, prendre en otage par un groupe de fuyards, qui est une famille complètement dysfonctionnelle. Et à partir de là, l'une va être tuée et l'autre va être violée et laissée pour morte. D'où le concept de rape and revenge. Je rappelle que rape veut dire viol en anglais, c'est important. Les fuyards, croyant que tout est terminé, il y a une grosse tempête qui se déclenche, la nuit qui tombe, se dit bon, on va pas faire trop de vagues, on a déjà laissé deux cadavres derrière nous, on va rester une nuit au calme, chez quelqu'un, et demain on reprend la route et on continue de fuite. Sauf que, ils vont aller s'abriter chez les parents de la jeune fille. Et à partir de là, vous allez avoir une, si vous voulez, quasiment presque du suspense hitchcockien en termes, si vous voulez, conceptuel. C'est-à-dire que d'un côté, vous savez ce qui va se passer, vous savez que ça va exploser, vous savez que c'est devant vous et que ce sera inévitable, mais vous savez pas quand ça va exploser, puisque la jeune fille va réussir à se traîner comme elle peut jusqu'à chez elle. Et d'un côté, vous allez voir les parents qui vont faire des allers-retours sans dire à leurs convives qu'il y a leur fille qui est en train de souffrir, ils vont découvrir qu'elle a été violée, ils vont découvrir qu'elle a été d'abord brutalisée et violée, qu'elle a une balle, donc le père est médecin aussi. Donc ils vont être d'un côté là s'occuper de la fille, et de l'autre côté de s'occuper de leurs convives sans faire le lien tout de suite. Et puis au fur et à mesure, le lien va se faire. Donc si vous voulez, il y a une bombe qui est présente, vous savez qu'elle est là, mais vous savez pas quand elle va exploser. Si c'est le concept du suspense hitchcockien, encore une fois. Si on vous dit pas s'il y a une bombe ou pas, ça crée une échappatoire. Ça crée un moment où vous allez pouvoir vous rassurer, dire bon, elle est peut-être pas là. Et là, votre tension baisse. Non! On sait qu'elle est là, cette bombe. Mais ce que tu sais pas, c'est quand elle va exploser. C'est comme ça que ça marche, si vous voulez, The Thing de John Carpenter. On sait, on en parlera bien un petit peu plus tard. The Thing, c'est ça. Le monstre, vous savez qu'il est là. La seule chose que vous savez, vous n'avez pas de manière de vous rassurer en disant non, il est peut-être pas là. Non, vous savez qu'il est là, mais ça va exploser à un moment donné. Vous savez pas quand, mais ça va péter. Et là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez, pourquoi le film fonctionne? Pourquoi le film, pour moi, d'ailleurs, est meilleur que le film de Craven aussi? Je pense que ça fonctionne qu'avec les remakes de Craven, hein. Les remakes qui fonctionnent vraiment et qui sont même au-delà de l'œuvre originelle. Parce qu'il y a un montage qui déboîte. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un très gros budget, mais grâce au montage, le mec arrive à rendre son truc ultra percutant, ultra dur, ultra violent. Il y a par exemple une des... Moi je trouve qu'il y a une attention de mise en scène de Denis Yadis, par exemple, qui est de ne jamais traiter la violence en insert. La violence est traitée en plan large. Vous savez, l'insert, c'est ce petit plan très très court que vous collez entre deux plans larges pour donner, si vous voulez, par exemple, prenons un exemple simple, vous avez un personnage qui va en poignarder un. Premier plan, attention, c'est très grossier dit comme ça, mais le personnage qui va s'avancer avec le poignard vers le second. Second plan, donc on va voir un ventre factice, par exemple, et vous allez voir la lame rentrer dedans et giclasse de sang. Et troisième plan, replan large, par exemple, avec le type qui retire le couteau et le type qui est en train d'agoniser et de se vider de son sang. L'insert, donc c'est ce plan très très court qui va arriver entre les deux, qui va être un plan, si vous voulez, entre guillemets, un plan truqué, qui va permettre, grâce au montage, de créer ce que, par exemple, Bergson appelle la durée véritable dans une certaine mesure. Si vous le sentez, vous sortez de la durée véritable. Donc là, vous avez, si vous voulez, toute cette ce système-là qui est de ne jamais, je ne traite pas la violence à l'insert, parce que l'insert suscite chez vous l'idée du plan truqué, suscite la notion de montage, qui sous-entend qu'il y a trucage, puisque le montage, par définition, est un, c'est ce qui va lier tout ce trucage-là et le faire disparaître dans la durée véritable. C'est ce qui va créer le mouvement. Là, pas du tout. Là, tout est traité en plan large pour pouvoir limiter la possibilité de trucage et que la violence soit beaucoup plus impactante. Donc il y a une vraie intention de mise en scène de Denis Yadis de travailler comme ça. D'autre part, les personnages, au-delà du fait que le scénario soit finalement assez basique, dans le sens où il reprend finalement le scénario originel, ce qui est intéressant, c'est le travail et l'écriture des personnages. Alors, ils ne fonctionnent pas tous en tant que tels.
il y a des personnages qui fonctionnent moins bien que d'autres, qui sont moins bien interprétés que d'autres. Je pense notamment au bad guy principal, qui gagne au fur et à mesure un petit peu en charisme, mais qu'au début, quand même, peine beaucoup à monter. Par contre, vous avez deux personnages qui fonctionnent très bien, c'est les deux parents. Et c'est important, c'est même nécessaire, ces personnages-là, parce que c'est ceux auxquels vous allez vous identifier. Alors, dans un premier temps, vous allez suivre la calvaire de la jeune fille, donc vous allez identifier la victime. Si vous êtes à peu près normalement constitué, vous identifierez la victime, et pas bourreau. On va faire augmenter, si vous voulez, on va montrer le drame fondateur de manière extrêmement sèche, froide, crue, pour justement vous amener à emmagasiner un max de haine vis-à-vis des antagonistes. Parce que c'est ça aussi, l'idée de vous galvaniser à ce niveau-là. On bifurque vers les parents, alors on crée aussi une sorte de relation quand même entre les antagonistes, qui deviennent humains, d'ailleurs cette partie-là, ils sont très humanisés aussi, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que là, déjà, ta manière de t'identifier va être quand même fortement mise à mal. Mais tu vas quand même principalement t'identifier aux parents. C'est important, parce qu'on va te rappeler quand même à plusieurs reprises ce qu'ils ont fait, cette famille-là. Et les parents, ça a monté crescendo. C'est-à-dire qu'au début, ils font très cucu la praline dans le premier acte. Et quand on arrive dans ce second acte avec l'accueil des convives dans la maison, les parents progressivement vont comprendre ce qui s'est passé. Et toi qui identifies à eux, progressivement, pareil, on va te rappeler tout ce qui s'est passé avant, tout le passif que t'as avec les antagonistes. Et on va galvaniser, jusqu'à arriver à ce point de rupture cathartique où t'as juste une seule envie, c'est que les parents, et c'est ce qu'ils vont faire, défonce la gueule vénère, démastique la gueule bien violemment des types qui ont fait subir leur calvaire à leur fille. Sauf que là, bah t'es pris si vous voulez quasiment, vous êtes pris en étau parce que là, qu'est-ce que je fais ? Oui, ça me galvanise, oui, je trouve ça extrêmement cathartique, extrêmement jouissif, qui pète le nez de l'un, qu'il éclate la tête de l'autre à coups de marteau, c'est trop cool. Mais en même temps, tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais putain, moralement, c'est emmerdant. Comment je peux cautionner ça? C'est pas cautionnable d'un point de vue moral. Et là, tu te trouves dans une posture très très embêtante. Seul défaut, je vous spoil pas la fin du film ou quoi que ce soit. Hein. Si vous voulez, le concept de base, il est là, et voilà, vous savez ce qui va devenir de toute façon. Encore une fois, vous savez ce qui va se passer, vous savez pas quand ça va se passer, c'est juste ça. L'explosion va arriver à un moment donné. C'est le plan final du film, qui justement pour moi c'est contradictoire avec le reste, parce qu'il va rendre quasiment, on parlait de ça dans Death Wish d'ailleurs de Eli Roth, ça va rendre un tout chouïa fun la vengeance sur la fin. Et ça c'est le seul souci, c'est ce plan final. Vous pourrez le cutter, c'est-à-dire que vous pourriez vous arrêter avant ce final là. Si vous vous souvenez, moi je considère comme très très fun, le plan c'est un plan gore fun, bon c'est rigolo. Mais pour le coup, ça crée, là où le film il te met dans une posture extrêmement malaisante à la fin, où t'es extrêmement inconfort, un inconfort total dans ta posture d'identification, là le film à la fin bat tout dans le fun et finit par une blague quasiment, qui est une blague gore, mais qui est une blague quand même, et dont il aurait pu parfaitement se passer. En immédiat, ça ne... Bah, c'est pas au point d'un Death Wish justement, parce que pour moi la contradiction elle arrive dans un quart de seconde et on est plus dans la blague qu'autre chose dans le gag final. Et qui peut, dans une certaine mesure, être interprété de manière extrêmement pessimiste aussi, d'ailleurs. Là où Death Wish, ça ne posait pas de problème. Donc là, pour le coup, vous avez une vraie ambiguïté quand même jusqu'au bout avec ce petit plan final qui peut être parfois emmerdant. Donc, j'en ai déjà dit beaucoup parce que je crois que j'ai fait une critique quasi intégrale parce que ça va faire 15 minutes à peu près qu'on est là. Donc voilà, je vous conseille, découvrez ce film-là, découvrez plein de Rape and Revenge parce que c'est super cool, je pense que je reprendrai le temps de vous en reparler. Donc La Dernière Maison sur la Gauche de Denis Sidiadis, c'est vachement bien. C'est un vrai bon remake qui a vraiment compris l'idée de porter un point de vue différent sur une narration qui existe déjà et apporter ses propres éléments formels mais aussi et surtout ses propres éléments de fond. Je vous souhaite une bonne soirée à mon film et je vous dis à très bientôt et j'espère que ça aura plu à Jus de Raisin et à Damien666. Bonne soirée à vous et à très bientôt, salut !